Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Haïti. En fait, nous aider nous là son mix entre Haïti et le Chili, il pas un secret pour personne, gagne en bande majeure partie dans communauté haïtienne qui vit au Chili, bien que nous connaissons bande tout qui te prend route pour traverser Mexique. Mais d'après ça, on vient parler là c'est que élection présidentielle au Chili, il y a un résultat qui s'allie autorité électorale, c'est un candidat de la gauche, Gabriel Boric, et hier dimanche là qui montait au pouvoir. Et il a fait un deuxième tour dans l'élection. Il prend la victoire ça sous adversaire qui est d'extrême droite, José Antonio Kast. Et très certainement, nous pensons que la communauté haïtienne Chili, ou pour la majeure partie, y a appuyé Gabriel Boric de la gauche, puisque généralement, dans tout pays, gauche là toujours un genre pro-immigrant. Donc, quelque part, la majorité communauté haïtienne là, qui habite Chili, après ce voit nouvelle ça en contentement le fait que c'est Gabriel Boric qui est de la gauche remporté victoire là. N'a pas rappelé que Gabriel Boric la peine de 35 ans qui c'est l'âge minimum pour une président d'un pays. Monsieur, c'était un monde un activiste qui t'a bataille, un étudiant qui était connu dans la rue et justement qui a bataille qui a pas des changements et journée jeudi a Li prend pouvoir et monsieur prend 56% voix contre 44% concurrent Lanon Diou qui c'est une de l'extrême droite et monsieur pas caché en parlant de monsieur qui en face là nous voulons parler de José Antonio Kast qui dit lui-même un monde candidat qu'il a admiré en pile c'est Donald Trump monsieur parlait tout de Bolsonaro Brésil il dit c'est nèg ça il admire en pile en ville monde te dit est-ce que monsieur d'avoir le contester en fait. La vérité, pas de contestation avant même votre venue, monsieur dit le Chili d'abord, mais avant tout, monsieur son admirateur, tout des dictateurs, Augusto Pinochet, et donc il a annoncé que il n'est pas d'accord en cas de défaite si Ecario est inférieur à 50 000 voix. Vous pouvez comprendre ça veut dire qu'il est logique. Eh bien, depuis bien bonnet, monsieur était au LPD. Et monsieur, justement, qui était présenté tête pli comme mon président, pour pouvoir nous voulons parler de Kast, qui c'est extrême droite là, qu'il te dit que Libral est un président de l'ordre, comprendre, président pour mettre l'ordre et de la sécurité. Donc, malheureusement pour monsieur, c'est candidat de la gauche, Gabriel Boric, qui prend pouvoir. Et monsieur, avant même le résultat définitif là, lui prend la parole pour dire lui reconnaître, c'est quand même bien, lui reconnaître victoire Gabriel Boric et lui mettre Chili avant tout. Mais on est capable de constater, c'est une victoire écrasante, ça nous est capable de dire une coalition de la gauche, parce qu'il y a des membres du Parti communiste là qui fait une seule priorité justement entrer dans la bataille ça. Et tout pays a ses klaxons qui sont dans toute capitale là après que. Et monsieur Kast reconnaît qu'il perdit et Gabriel Boric remporte-t-il. Et monsieur parlait, Gabriel Boric, monsieur parlait, il lui fait un État-providence. Et ça, il avait dit qu'il avait changé structure de Chili, côté qu'il pourrait mettre un système de providence, un changement d'ampleur dans le pays, a considéré comme laboratoire de libéralisme en Amérique latine. Et monsieur qui vivra avec classe moyenne et essentielle à Santiago. Maintenant, nous pensons que. C'est une bonne nouvelle pour la communauté immigrante. Mais on reste sur ça. C'est vrai qu'on a parlé de comité, une bonne nouvelle pour la communauté immigrante chilienne et haïtienne. Mais en attendant, il faut nous reste sur ça. C'est que les gars, lié du président de Chili, libre le travail. Le Chili d'abord. Donc, si vous-même, vous êtes immigrant dans le pays, à profiter, mais Chili, c'est Chili. Étant donné qu'on est en pays, vous venez considérer comme. Mais c'est intérêt pays là avant tout. Non, en plus, on a fait analyse, effectivement, et sous Jean élection, en fait, les n'a considéré bon la caille nous. Pas de contestation, pas de monde dans la rue. Vous comprenez? Et là, ça, Chili, c'est pas un gros pays que ça. Et ça, vous comprenez, c'est que élection faite dans dimanche, même dimanche, un résultat sorti. Et tout leur parler d'autres pays, est-ce que tu as supposé comparer nous-mêmes en Haïti? Mais en fait, parallèle à pour nous comprendre, j'ai un résultat bien rapide, mais j'entends tout que
Pas de monde qui rapidement dit c'est mode bon, pas bon, contesté. Okay? Ils ont accepté transition de pouvoir. Nous avons un gros problème pour nous faire transition. Ça veut dire quoi? Mais ça ne dit pas là. Moi, au pouvoir, j'ai deux forces. Mon pouvoir, je n'ai rien à faire. Moi, j'ai un problème si le président et que si moi, ouais, que, eh bien, son l'autre groupe qui va le prendre, donc son problème. Ça veut dire, il y a deux balles. Il y a un petit peu, c'est pour me faire passe. Bye. Zamim, famim. Comme ça, tout, moi-même, tout, qui en face là, moi, j'ai un problème, c'est monsieur. Bon. En d'autres termes, nous avons une tendance pour nous apprendre et pouvoir de force. Au lieu que c'est population, hein, pour nous apprendre. Liberté, ça pour le décider, pour le choisir, pour dire qui est-ce qui a gagné. Mais vraiment, c'est une élection qui passait dans la paix. Résultat, bail, tout le bagage dans la paix. Ok? N'a pas parlé que le président actuel, là, monsieur était député depuis 2014, et monsieur représentait comme mon héritier politique de mouvement 2019 pour taper des justices sociales dans le pays, pour taper des. Qui t'a critiqué inégalité dans l'organisation, coopération, développement économique. Et donc, monsieur, c'est ex-leader mouvement étudiant en 2011. Personne ne peut penser que monsieur t'a parlé dans le sprint final. Et personne ne peut penser que monsieur Jounen Jodia était capable d'être président. Et monsieur qui dit, l'impossible pour nous faire un Chili qui est plus humain, plus digne. En fait, l'humour, monsieur, plus égalitaire pour nous tous, chita, discrimination qui gagne entre différents mondes dans la société. C'est vrai que nous tous, même gens, mais qui gens nous capables de séparer gâteau pour que ce n'est pas non, mais c'est le monde qui le était. Donc, monsieur qui a voté dans la ville Natalie et Punta Arenas, dans l'extrême sud pays, hein? Et non pays qui gouverne pas sans droite, sans gauche depuis la fin de la dictature. Et depuis 31 ans, Gabriel Boric, il dit qu'il va promouvoir une grande réforme fiscale et pour faire riche au bail public, selon l'agence, 1% chilien gagne à peu près 26% richesse pays. Donc, dans le programme, il va parler de meilleur accès de santé, éducation, création de nouveau système de retraite. Donc, voilà, et monsieur qui promet pour relancer Chili. Donc, Mbaronet, ou même peut-être qui court quitter Chili, bah, ça va là. Qui m'excite peut-être qu'au café, on retourne derrière, puisque M. Baye, vraiment des changements en profondeur. Donc voilà, nous voulons justement partager l'information, ça, puisque nous connaissons un bon parti dans la communauté haïtienne qui vit chez nous.